Je suis au restaurant Mori Venice Bar en compagnie de son propriétaire Massimo Mori. Piacere. Et en compagnie de Laura Zavan, Laura pour prononcer ce prénom à la française, qui est l'auteur de plusieurs livres de gastronomie et notamment d'un livre qui s'intitule Venise, les recettes cultes, édité par Marabout. Donc, Laura Zavan est une femme qui s'est consacrée depuis plusieurs années à la gastronomie italienne et en particulier à la gastronomie de sa région d'origine qui est la Vénétie. Alors, quelle est la grande nouveauté de ce livre? C'est faire connaître la cuisine de Venise et de la Vénétie, parce que bon, c'est ma région, et donc c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. En effet, les questions qu'on me pose, c'est mais c'est quoi la cuisine de Venise? Et l'idée du livre est née parce que des amis français reviennent de Venise et me disent « Ah oui, j'ai mangé une burrata magnifique à Venise ». Je dis, bon, peut-être la burrata, c'est pas vraiment le bon endroit pour manger ça. Voilà, et donc le livre est né un peu pour dire « Bon, à Venise, il y a une cuisine bien particulière, qui c'est surtout une cuisine à base de poissons, parce que la lagune et la eau adriatique, c'est vraiment un royaume incroyable de poissons, des goûts, surtout des saveurs particulières, et les légumes. Donc c'est une cuisine très contemporaine, je dirais, un maximum. Tout à fait, oui. Donc à base de produits incroyables, donc poissons, légumes, parce qu'on a Sant'Erasmo, que c'est l'île de la lagune, que c'est les potagers donc, de Venise, et pas seulement, mais de la région. Où on cultive des légumes qui ont un goût très particulier parce que c'est vraiment une île, bon, c'est logiquement c'est l'eau, c'est l'eau de la lagune, c'est une eau donc salée, pas si salée comme la mer, mais c'est une eau salée. Donc les légumes, ils ont un goût très particulier, voilà. Très savoureux, ils sont très très savoureux. Ouais. Et après on a beaucoup la volaille parce que tout dans toute la lagune, on a toute la volaille sauvage. Oui, comme oui parce que c'est ancestral ça. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, bon, Venise déjà, c'est la naissance de la gastronomie occidentale, a créé la haute cuisine. Vous savez, Venise a créé l'haute cuisine de cour vénitienne, qui a créé l'haute cuisine de cour florentine, qui a créé l'haute cuisine de cour française, tout simplement. La Renaissance est partie de Venise et s'est déplacée puis après à Florence et puis en France. Ah oui. Donc le fait que donc la cuisine, il faut savoir que c'est toujours quelque chose de connaître et c'est toujours voué à l'excellence, notamment la cuisine vénitienne, italienne ou mondiale. Hein, quand on veut manger bien, on mange avant tout un produit de grande qualité, de l'excellence du terroir. Ça, c'est donc déjà les ingrédients sont donc l'ingrédient des Vénitiens, c'était quoi? Eh bien, c'était les produits de la mer, comme dit bien Laura, les produits de la lagune, les îles, hein, donc les légumes sur les îles différents, et après forcément les produits de la chasse des volatiles, parce qu'il y avait un seul place que c'était la place Saint-Marc. J'étais sur l'île principale, mais tout le reste c'est des campi avec des petits endroits où lesquels il y avait un élevage de des petits, lapins, poulets, poulards, mais surtout c'était la chasse. À l'époque, le noble mangeait des produits de chasse et toujours en hauteur. Donc le volatile, c'était quelque chose qui ne touchait pas terre, donc était noble. Voilà, donc ça vient, la cuisine vénitienne, c'est la mère des cuisines. Ce livre, il le reflète parfaitement par sa vérité du produit. Ça, c'est la grande. Et alors, en plus, ce qui est très important, c'est que je trouve que c'est extrêmement moderne. Notre cuisine vénitienne, et là, il le met bien dans ses livres que j'adore, dans ses couleurs déjà, dans ses recettes, voilà. Dans sa manière d'expression. Et ses photos, il y a aussi des magnifiques photos. Exactement. Qui mettent vraiment l'eau à la bouche. Mais achetez-le. Il a vraiment, s'est mis en avant le produit. Donc, est moderne, pourquoi? Parce que là, on parle des choses qui sont diététiques aujourd'hui. Tous les grands médecins et toutes les personnes essayent de vivre en cette manière, vivre bien, se dire manger bien. C'est quoi? Les céréales, donc le riz, les pâtes, les légumes, le poisson, les viandes blanches. Eh bien, c'est totalement moderne. C'est une cuisine, c'est la base de la cuisine occidentale et encore aujourd'hui, est la cuisine probablement la plus moderne au monde.
Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de la cuisine vénitienne. Et ah ben voilà, tu es sur la Michele, tu es sur la page de Baccalà alla Vicentina. Mmh. Et le baccalà, c'est ma passion vraiment, j'adore ça. Et c'est très intéressant l'histoire, parce que le baccalà, c'est la morue, hein, et c'est pas un poisson de la Méditerranée, on le sait bien. Et donc, c'est un poisson du Nord, et pourquoi? Parce que les Vénitiens allaient très loin à l'époque. Donc, c'était découvert baccalà, par hasard. C'est aussi une technique de conservation très ancienne, bien avant l'existence des frigos et des congélateurs, il y avait cette possibilité avec le sel, n'est-ce pas? Oui, mais en effet, je voulais juste raconter cette petite histoire qui me plaît énormément, parce que je suis une passionnée de baccalà mantecato, et donc j'ai essayé de comprendre l'histoire du baccalà. Et donc, il a été découvert par hasard par le capitaine Querini au milieu c'était le premier milieu du 15e siècle. Ben, il a fait naufrage avec son équipage dans les îles du Nord, les îles Lofoten, qui font partie du mer de Norvège. Et là, donc, il est resté 2 mois et il a appris comment il salait la morue. Et donc, c'est du stockfish. Ah oui. C'est du stockfish. C'est pas de la morue salée, mais c'est bien du stockfish. Et les Vénitiens ont toujours adoré la morue plutôt séchée que la salée. Mais on l'appelle baccalà. Et alors ça, j'ai cherché, et apparemment c'est quand les Espagnols étaient en Lombardie, donc ils faisaient énormément utilisation de baccalà, et donc la Vénitie a adopté ces noms parce qu'ils étaient très répandus dans la région à côté. C'est parce que stockfish, est-ce que le baccalà, non, bien sûr. Est-ce que le baccalà est apprécié par les clients de ce restaurant? Alors oui, on ne peut pas dire que c'est le plat le plus préféré, parce qu'il y a quand même une forte typicité. Hein, il faut aimer déjà la morue, il faut aimer déjà un poisson qui a une certaine consistance. Il est toujours présenté, si on fait le baccalà mantecato, comme il parle très bien. Oui, ben ça. Ici, il est magnifique, le baccalà. Mais elle a un côté mousse, donc elle n'a pas une présence pièce comme il peut être, je dirais, les clients habitués à voir, c'est-à-dire le morceau de poisson, vous voyez le morceau. Donc, différent. Donc, je dirais, c'est apprécié, mais c'est déjà pour la clientèle qui est avertie. C'est vrai qu'on a ici une clientèle assez connaisseuse. Nous avons une clientèle d'affaires, et nous avons une clientèle beaucoup de la finance, comme nous sommes face à la Bourse de Paris, donc il y a beaucoup de sociétés financières. Et aussi, nous avons une clientèle de médias journalistiques. Nous avons le Nouvel Observateur, Marianne, Le Figaro, Le Monde. Voilà, donc c'est vraiment une clientèle à midi. L'agence France Presse. L'agence France Presse est également en face. Exactement. Voilà. France Presse également qui est en face. Par contre, le soir, c'est plus une clientèle un peu mondaine, un peu tout Paris. Nous travaillons beaucoup avec les grands hôtels de Paris, comme le lieu, c'est un très beau lieu. Le lieu est fait par Philippe Stark. Donc, il plaît beaucoup. Et voilà, on a une clientèle parisienne. Oui, c'est vrai que ce restaurant est aménagé d'une manière assez spéciale. Par exemple, une chose que j'ai toujours remarquée avec un grand plaisir, c'est cette moquette qui est semblable à un parquet. Ouais. Et ça, c'est assez original. C'est vrai, vraiment, moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Oui, ouais, c'est vraiment un faux parquet. On dirait qu'on ne s'en aperçoit pas, surtout les jours, peut-être on le voit plus, mais le soir, on ne s'en aperçoit pas. On dirait que c'est un parquet, mais en fait, non, c'est vraiment de la moquette. Voilà. Un faux parquet. Voilà. Et la clientèle, cette clientèle parisienne, apprécie donc la gastronomie qui est née à l'époque de la Sérénissime et puis qui se poursuit à travers les années dans Venise et dans le territoire qui entoure la ville de Venise. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 ils aiment beaucoup la cuisine vénitienne. Avec les risottos en crudo sèche, les foies de veau à la vénitienne, c'est vraiment des choses. Il y a certains plats aussi qui peut-être sont méconnus, comme le saora, les sardines saora ou le baccalà à la vénitienne qu'on sert avec la polenta. Mais c'est vrai que ça plaît beaucoup. Ouais. Je pense que le baccalà mantecato, qui rappelle un peu la brandade de morue, mais il n'y a pas la pomme de terre, c'est juste de la morue montée à l'huile. Donc, ça, si on aime les poissons, on aime forcément le baccalà mantecato. C'est juste qu'il faut avoir l'envie de le découvrir. Oui, mais il est adopté. Une fois qu'on le goûte. Exactement. Il faut avoir l'accessibilité de goûter. Il faut penser qu'aujourd'hui, la clientèle qui circule
qui, comment dirais-je, qui vient d'un établissement d'un certain niveau, c'est pour eux sortir et donc pouvoir avoir des produits d'excellence, se valoriser par rapport à ça. Et donc souvent ils cherchent des types de poissons. Ouais. Ils cherchent le bar, ils cherchent la langoustine, ils cherchent le tourbeau. L'araignée de mer qui est typique de Venise. Voilà. Il y a une clientèle, un public très intéressé à notre cuisine, notre façon de faire. Et que c'est différent un peu dans les autres cuisines, surtout pour comment on travaille les poissons, tout ça. Et sur la légèreté de la cuisine, voilà. C'est une cuisine. Des ingrédients, beaucoup de qualité, et qu'on cherche toujours aussi d'importer ici. Donc des produits qu'on trouve que là-bas, en Italie, à Venise, côté Venise. Et donc des produits de qualité et aussi quelques produits on se peut fournir ici à côté de Paris. Il y a aussi un gamme de commerce qui nous permet de s'approvisionner à côté. Voilà. Quels sont les plats les plus demandés? Les plats plus demandés sont beaucoup. Par contre, là, dans cette période, on a des riz, des risottos. Un risotto violon et nano avec les sèches noires. À l'encre de sèche. Donc, en typicité, c'est typique de Venise. On a aussi, pour ce qui concerne, comme toujours, les poissons, il y a de l'homard, il y a des barres au sel, comme toutes les entrées. Les entrées sont beaucoup, un carpaccio de langoustine. Les langoustines, c'est des fruits avec tout son garniture. Et tout ça, les plats sont... Il y a aussi le caviar de Venise. Il y a aussi le caviar de Venise. Qui n'est pas tellement connu en dehors de la région de Venise, mais qui est un produit d'une qualité exceptionnelle. Oui, ça c'est un produit de qualité exceptionnelle qu'on va découvrir en fait. Ce n'est pas un produit très connu, mais en fait il a une qualité qui peut... Il faut tenir la tête à des produits de Parce autres... Parce qu'à l'époque de la Sérénissime, oui, il y avait des élevages d'esturgeon, voilà, et donc il y avait une production de caviar. Bien sûr. À l'époque aussi, on a eu des rivières, comme la rivière Livenza au Piave, où on a trouvé l'esturgeon, en fait, l'esturgeon sauvage. Et comme à l'époque, il y a eu des élevages d'esturgeon, oui, ça c'est vrai. La Sérénissime a importé beaucoup de produits, comme la base de la Sérénissime c'était le commerce, donc pas que de la soie, mais aussi de toutes les épiceries, de tous les produits, tout ça, comme les stoccafisso et les baccalà. Voilà. Nous ici on utilise le stockfish. Donc il faut savoir que c'est dans son état, je dirais, séché, il est léger, mais il coûte très très cher par rapport, un peu comme l'or. Hein, parce que c'est réhydraté. Et après, on doit le réhydrater au moins 5 jours à l'eau courante. Et il reprend. Et ainsi de suite, il y a toute une technique de réhydratation. Mais il n'a pas le côté salin. Et ici, ce que nous utilisons, c'est le meilleur qui s'appelle ragno. C'est une morue particulière qui vient de là-bas. Donc, n'oubliez pas, oui, tu voulais dire encore quelque chose. Et avant, on parlait du jour maigre et jour gras. Et donc, c'est à partir du XVIe siècle que le baccalà a un succès incroyable parce qu'il fait partie des jours maigres. C'est-à-dire, presque la moitié de l'année, on ne devait pas manger de viande, on ne devait pas manger de produits gras. Et donc, les poissons, on pouvait les manger, donc il a un gras. Et on pouvait le garder. Et surtout, il pouvait se conserver sans qu'il n'y avait pas les frigos. Donc, c'était très nourrissant. Donc, grande fortune pour ces poissons. Il faut savoir que cuire. Et donc, en mangeant du baccalà, on allait plus vite au paradis. Au paradis, bien sûr. Et grâce au baccalà, au stockfish, Querini a pu, avec les 60 kilos de stockfish, a pu se payer le voyage des îles pour revenir à Venise. Parce que c'était au prix d'or. Les Espagnols et les Portugais, ils le payaient au prix d'or. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'apprécier, de goûter, de vous régaler avec les grands plats, les grands produits de la gastronomie vénitienne. Grazie Laura Zavan, grazie Massimo Mori. Moi j'attendais aussi Médérien de le monter parce qu'on n'a pas montré quand même ce magnifique livre. Regardez, la couverture elle est superbe, l'intérieur encore mieux. Voilà, ça lui va très bien, regardez. À nous aussi d'ailleurs. Voilà, bravo.
complimenti. Grazie. Grazie, merci beaucoup. Merci.